Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les messages du jour, comme toujours. Donc toujours du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Voilà. Merci pour tous les jolis commentaires que vous m'avez que vous mettez, pour vos emails, pour tout. Voilà, le petit merci journalier. Puis ben on va commencer. Je vais commencer par prendre des messages avec mon oracle et puis après on verra ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Et je sais pas aussi sur quoi ça va porter. On va le découvrir un petit peu ensemble. J'espère que vous vous portez bien. On va regarder ce que je peux vous transmettre. Je me mets sur le côté, hein. Comme toujours. Quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui? Ok, alors là, pour une personne, je vois une personne en fait qui est guidée, qui est vraiment aidée, protégée, soutenue, appuyée aussi et recouverte vraiment d'un amour inconditionnel. Tout ça, ça provient des cieux. Elle est vraiment guidée hein, par ses guides, par ses anges, par l'univers tout entier. Elle est très 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 appuyée. Les cieux et moi, ton ange, nous t'admirons tous les jours. Donc vous êtes très très admirés dans les cieux. On veille sur vous, on vous admire. Vous êtes extrêmement aimés. Vous avez un fan club dans les cieux. Tu es aimé par la source. Tu es vraiment, vous êtes là et j'ai une personne qui est vraiment très très aimée par la source. Et en fait, je vois qu'on pousse cette personne, on va l'aider, on va l'appuyer. Ça peut me parler aussi peut-être qu'on va la former, on va la protéger, on va la remplir aussi d'amour. D'amour. De beaucoup d'amour. Soit pour qu'elle commence son chemin, une certaine mission. Peut-être où il y a des questionnements. Parce qu'en fait, oui, il y a des questionnements. Alors là, c'est ce message-là. Avec le cerveau qui est branché sur la prise électrique. Avec des gros, gros questionnements. Donc là, il y a une personne qui est en plein, plein questionnement profond. On vous dit bien de calmer votre mental, votre petit cerveau. On le met au calme. On le débranche de la prise électrique. Sinon, vous allez surchauffer. En tout cas, cette personne, même s'il y a des questionnements profonds, ses guides sont là vraiment pour l'appuyer, pour l'emmener sur son chemin, sur sa mission en fait, en douceur, vraiment, dans l'amour, dans l'amour, dans l'admiration aussi, dans la protection, dans l'aide aussi, dans l'appui. Il y a de l'appui sur ce chemin vers laquelle cette personne est poussée. Alors soit vers laquelle cette personne est poussée, ou alors c'est une personne qui est déjà sur son chemin et sur sa mission, et on vous dit de peut-être qu'il passe une période où il y a vraiment un gros bouleversement dans sa vie, et on se questionne avec des questionnements vraiment très profonds. On vous dit de bien vous calmer, de reprendre, de bien souffler, que de toute façon, voilà, vous avez... Le porte-bonheur, hein, les trèfles porte-bonheur. Vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre mission, persévérer. Vous avez de la chance en fait, au bout, vous avez de la chance. Donc continuez, persévérer.
N'abandonnez surtout pas. N'abandonnez surtout pas. Alors attendez, je vais prendre un petit message pour celui-ci. En plus, avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour voir si on peut me donner un ou deux messages supplémentaires. On verra combien. Donc là, il y a un gros questionnement. Peut-être, c'est peut-être une personne qui fatigue un petit peu. On vous dit de persévérer, hein. J'entends qu'il faut surtout pas en fait que vous vous arrêtiez en chemin. Enfin, vous pouvez faire des pauses, hein, il n'y a pas de souci, mais continuez. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à ce que, à tout ce que vous désirez mettre en place, comme projet, comme réalisation, comme souhait, comme désir, comme. Ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes. Des personnes qui sont en plein doute. C'est des questionnements, hein. Il y a trop de questionnements, donc sortez de trop de ces questionnements et actionnez, avancez en fait. Ouais, il y a plein de doutes, mais regardez, vous avez le bonheur et la réussite, donc en fait, c'est des doutes. En fait, c'est plus des doutes qui vous épuisent. Pour moi, c'est plus des doutes qui vous fatiguent en fait. Donc ouais, vous pouvez vous poser des questions, mais et en fait, dans cette mission, dans ce chemin, vous pouvez ressentir un petit peu de solitude. Un petit peu de solitude. Parce qu'en fait, vous êtes en plein doute, en plein questionnement profond, et ça génère vraiment de la solitude. Donc vous mettez en retrait, en fait. Mais je vois une arrivée, vraiment une très belle arrivée du bonheur, de la réussite pour vous. Dans votre foyer, dans votre famille. Ça va vous donner beaucoup de santé, beaucoup d'énergie. C'est votre chemin, votre mission. On vous dit de persévérer. Vous allez être en pleine santé, en pleine énergie. Vous allez à. Ça va être trop beau, en fait. Ça va être très beau. En tout cas, vous êtes très soutenu dans les cieux. Hein. Petit message. Je vais prendre maintenant. Je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Un petit message, s'il vous plaît. Ouais. Dans ce que vous voulez entreprendre, en fait, dans cette mission, c'est un travail qui vous tient vraiment à cœur, hein. Je sens que vous mettez beaucoup d'énergie aussi, hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de. Vous impulsez beaucoup de choses, hein. À vous et autour de vous. Et en fait, tout ce travail. Dans votre travail, on vous dit aussi qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à ce que vous allez réaliser. Ne culpabilisez pas. Parce que vous pouvez vraiment trop culpabiliser. Il faut vraiment sortir de cette culpabilité. On peut me parler d'une femme qui se cache par rapport à certains rêves. Il y a un changement qui arrive pour cette personne. Donc voilà, hein, on vous dirige. Et vous allez avoir des amitiés autour de vous avec qui vous allez pouvoir vous réunir. Et en fait, je vois que ce sont des amitiés. Des amitiés d'âme, en fait. C'est une famille d'âme. Vous avez les mêmes dons de clairvoyant, de clairaudient, de médium. En fait, vous allez faire des belles rencontres. Vous allez faire des belles rencontres. Je pense aussi qu'il y aura dans ces amitiés, il y aura des personnes qui seront là aussi pour vous soutenir, on vous soutient dans les cieux, mais ce sera des personnes aussi qui seront là sur terre pour vous aider aussi, vous soutenir, vous impulser, vous donner pas forcément des idées, mais vous booster, voilà, vous booster. Il y aura des personnes qui seront, ouais, regardez. Ça va beaucoup vous apporter, ça sera très riche pour vous. Ah bah oui, très riche. Avec beaucoup de chance. Donc ça peut même me parler là pour certaines, une rentrée d'argent en fait, qui va vous porter chance. Par rapport à des choses qui sont actuellement bloquées,
par rapport à votre mission. Il y a peut-être un blocage financier, mais je vois une arrivée d'argent. Pour moi, ça va être une grosse somme d'argent. Hein. C'est pas 5 euros. Hein. Moi, c'est une grosse somme d'argent. Et en fait, c'est rythmé par. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Et on va débloquer des choses. On va débloquer peut-être une petite partie, un petit peu de financier. Pour une certaine chance. Pour que vous puissiez mettre en place des objectifs. Des objectifs, des choses. Plein de choses. Bon, voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Premier petit message. Ensuite, on continue. On va en refaire un. Vous êtes très aimé, hein. T'es beau. Très très beau. Allez, je reprends mon oracle et puis on va s'en reprendre un petit. Oula, ça saute. Petit message, s'il vous plaît. Alors là, je vois une personne qui est vraiment très très entourée en fait. Je vois une grosse lumière sur cette personne. En tout cas, voilà, c'est une personne qui est aussi entourée d'une lumière céleste. C'est une personne qui a beaucoup d'humour aussi. Il y a beaucoup d'humour dans cette personne. C'est une personne dans l'humour. Qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de. Ouais, il y a de l'amour. De l'amour. Et de l'humour aussi. C'est une personne vraiment avec beaucoup d'amour à l'intérieur d'elle. Elle est vraiment entourée, cette personne est vraiment entourée. Cette personne est vraiment entourée d'une lumière céleste. Et en fait, on dit à cette personne que. Alors, je vous montre. Hein. Vous êtes vraiment entouré, vous voyez. C'est la lumière céleste qui descend des cieux et dans les cieux. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Alors voilà, vous êtes entouré. J'ai une personne qui est entourée vraiment d'une lumière céleste. On vous dit que voilà, vous êtes très très beau et très très belle quand vous souriez. Donc souriez, souriez, souriez. On peut me parler aussi de quelque chose qui va vous redonner le sourire par rapport à. Je ressens une personne qui est vraiment dans la foi, une très très grande foi. De toute façon, c'est une foi qui est grandissante. Je vois cette foi qui va grandir, grandir, grandir au fil du temps. En tout cas, je vois une personne aussi qui prie énormément. Et on vous dit de bien garder la foi. Je vois une personne qui garde la foi par rapport à une guérison céleste. Donc une guérison. Une guérison divine en fait. Peut-être que c'est une personne qui désire une guérison céleste pour pouvoir encore plus sourire en fait. Encore plus sourire dans sa vie. Ah, je vous montre, c'est l'ampoule. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, l'ampoule avec un cœur. Et en fait, mais par contre, je vois que cette personne peut ne pas être en fait sur la bonne voie, ni sur le bon chemin actuellement. Il faut vraiment bien que vous réfléchissiez. Donc ça peut être. Je vais demander un peu plus. On va creuser. Je vais prendre celui-ci et on va creuser. Est-ce que je pourrais rire, s'il vous plaît, des petits messages supplémentaires? En tout cas, vous vraiment vous baignez dans un lot de lumière. Hein. Ah ouais. Alors, je vois ici que c'est une personne en fait qui n'est actuellement pas sur la bonne. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur qui n'est actuellement pas en fait sur la bonne voie. Ni sur le bon chemin. Donc on vous dit de bien réfléchir. Vous voyez, avec allumer cette ampoule
à amour. C'est l'ampoule d'amour. Allumer cette ampoule d'amour, en fait. Et en fait, tu vois que si cette personne, en fait, n'est pas sur la bonne voie ni sur le bon chemin actuellement, bah, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir un blocage par rapport à un contrat. Alors, soit un contrat professionnel, ça peut être aussi un contrat de mariage, un contrat d'union, ça peut être un pacs, ça peut être un pacs, un mariage. Voilà. Ouais. Il y a aussi ce qui peut bloquer, en fait, faire que cette personne n'est pas forcément sur le bon chemin. C'est par rapport à un blocage aussi, par rapport à des un ou plusieurs enfants. Donc, un peu, voilà, ça, ce sont des blocages. Pour moi, cette personne, en fait, va avoir. Vous allez avoir des idées, hein, en fait. Vous allez avoir des idées. En fait, là, je vois quelqu'un, en fait, qui essaye de réussir quelque chose, mais. Soit c'est quelqu'un d'autre autour de cette personne qui essaye de bloquer une certaine réussite, une certaine. Je pense qu'il y a une personne qui essaye de faire des communs accords, et en fait, c'est comme si cette personne était aussi bloquée par rapport. Pas par rapport à des enfants, mais. Vous voyez, on essaye de faire des communs accords par rapport aussi à une résultance par rapport à des enfants. On essaye de trouver des engagements par rapport à des enfants, on essaye de mettre des choses en place. En fait, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Et en fait, on n'y arrive pas. Cette personne n'y arrive pas. Mais en tout cas, elle est entourée d'une grosse lumière céleste. On lui dit de surtout pas perdre son sourire non plus. Voilà, il peut y avoir des moments de baisse, en fait, hein, où il n'y a pas trop trop l'envie de sourire, mais gardez la foi et la banane. Et surtout garder la foi en la guérison céleste aussi, parce que je pense que en fait votre foi va faire que vous allez vraiment énormément sourire, parce qu'en fait je pense que vous allez vraiment vous rendre compte par vous-même, bah, que de garder une foi très très haute, très très forte, et ben en fait vous allez vous dire: ah ouais, quand même, c'est possible. Ouais, il y a des blocages de plaisir aussi. Ça peut être une personne aussi qui est timide vis-à-vis de vous, hein. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur. On n'arrive pas à réussir à avoir ce qu'on veut. Pourtant, on désire un réel équilibre, hein. J'ai un souhait de l'équilibre. Quelqu'un veut un équilibre. Et on veut de la joie aussi. Cette personne veut de la joie. Mais on protège une femme par rapport à un changement, à une transformation qu'on est en train d'opérer dans sa vie. Peut y avoir un blocage professionnel par rapport à la mise en route d'un projet qui tient à cœur, hein. Et ça, on peut culpabiliser. Mais on peut me dire qu'il y a des personnes qui rêvent, hein. Vous avez des messages dans vos rêves par rapport au professionnel, à la naissance d'un certain projet. Vous arrivez à capter des informations dans votre sommeil, la nuit. Il peut y avoir un blocage financier, un blocage de chance. Mais il va y avoir, je vois qu'il va y avoir une ouverture et de la tranquillité qui va arriver par rapport à des correspondances. Il peut y avoir un petit manque de protection dans une famille. En fait, je vois que c'est une très très bonne famille. Très très belle, très très bonne famille, mais en fait on peut manquer un petit peu de protection dans cette famille. On peut manquer un petit peu de protection, donc peut-être augmenter un petit peu cette protection.
Je vois un blocage. Ouais, c'est une personne qui est bloquée dans son évolution par rapport à une séparation. C'est peut-être une personne qui est dans un autre pays, qui a des origines différentes de vous. Dans un autre département. On a des petits soucis, certains retards par rapport à. C'est trop long. C'est long, c'est très long. Il n'y a aucun soutien amical. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va prendre un petit message avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la finalité? La résultante. La résultante. C'est quoi ce mot? Des fois, on me fait dire des mots. Alors, quel est le petit message? S'il vous plaît. Oh, ça fait trop. Oh là là. Vous avez une voie toute tracée, donc en fait, je pense que voilà, les blocages vont sauter en fait. On peut me parler d'une femme vraiment âgée qui peut bloquer cette personne aussi dans une forme d'errance, hein, dans le brouillard. Donc ça peut être son errance à elle, cette femme âgée en fait pour moi qui a une forme d'errance, une forme de brouillard, et volontaire ou involontaire, et en fait qui essaye de transmettre en fait ce sentiment à cette personne, mais il faut vraiment vous décrocher de ce sentiment. Hein. Il y a une voie toute tracée. Et on me dit en fait que cette personne, dans cette errance, qui met cette femme âgée, en fait, qui colle, qui vous colle volontairement ou involontairement, en fait, une forme d'errance, de brouillard. Soit c'est ses émotions, volontaires ou involontaires. Et en fait, on me dit que ça mène cette personne vers un travail, un gros surmenage, en fait. Ça malmène. Ça malmène une personne. Mais cadeau de la vie! Cadeau de la vie par rapport au professionnel et au surmenage. Donc vous mettez pas en burn-out, pour moi, vous mettez pas en burn-out de dingue, vous avez une voie toute tracée, vous allez avoir un cadeau de la vie par rapport à toutes ces choses. Alors, bah attendez, éloignez-vous hein, de ça, là. Enfin, prenez de la hauteur par rapport à cette personne. Pas forcément s'éloigner, mais prenez de la hauteur et puis allez vers... Sortez de ce travail de surmenage en fait et allez sur le cadeau de votre vie. Hein. Ouais, regardez. Élévation. Cadeau de la vie, vous allez vous élever en fait par rapport au travail et au surmenage. Vous avez une voie toute tracée, donc on va vous donner, là pour moi, on va vous donner un gros sacré coup de main par rapport au professionnel. Hein. On va vous élever, hein. Et on va vous élever aussi de cette femme âgée. Hein. Pour moi, voilà, que ce soit volontaire ou involontaire, on va vous élever. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose par rapport au professionnel, au surmenage, au cadeau de la vie, à l'élévation? Un petit message, s'il vous plaît. Ben ouais. Correspondance, miroir magique. Eh ben. Correspondez, allez sur, c'est ce que je viens de vous dire. Correspondez, allez sur votre le cadeau de la vie en fait, juste ça. Et le reste, et vous allez attirer ce dont vous désirez. Donc si vous avez demandé, je sais pas, une aide financière pour votre professionnel, un soutien, ça peut être, je sais pas moi, augmenter.
je sais pas, augmenter votre agenda de votre agenda, ouais, votre je sais pas si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, si vous avez demandé je sais pas que l'univers vous aide pour augmenter par exemple votre agenda ou autre. Eh bien, on va vous élever, on va vous mettre pour moi, on va vous mettre en relation avec peut-être une personne que vous avez jamais rencontrée dans votre professionnel et ça sera l'apothéose. Donc, correspondez, allez choper ce putain de... Ah, excusez-moi, je suis pas du genre à dire ça, mais là, putain, je le sens. Hein. Ce putain de cadeau de la vie. cœur divin se lâche. Hein. Allez chercher ce putain de cœur... De cœur divin, non, n'importe quoi. Ce putain de cadeau de la vie. Et voilà, vous allez attirer à vous ce que vous allez vouloir et on va pas vous laisser dans votre travail, dans votre surmenage, dans la situation actuelle professionnelle dans laquelle vous êtes. On va pas vous laisser comme ça, on va vous élever, on va vous aider à aller au-dessus de ce sommet en fait. On parle d'un retour, effectuer un retour, correspondez vers un cadeau de la vie. Parce qu'en fait, je vois que si vous correspondez, vous effectuez un cadeau, ça libère en fait. Ça libère, ça va libérer votre professionnel. Et ça, on vous dit, c'est le cadeau, c'est votre cadeau. Ah, regardez, c'est votre cadeau, c'est l'amour quoi. Waouh, regarde. Ouh là 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 là. En fait, je vois une personne qui va avoir un retour au positif et en fait, on va se dire... En fait, cette personne va se dire, bah, peut-être que je m'inquiète, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû m'inquiéter autant par rapport à des choses instables. Eh, victoire. Ah non, mais non. Ah non, mais non, mais non. Bon, en tout cas, c'est beau. Hein. Oh là là. Bon, moi, j'aurais dit un gros mot, moi, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Mais quand... Là, si c'était des énergies, il fallait vraiment que ça sorte. Hein. Il fallait que je sorte les mots, là. Là, c'était... Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Ok. Moi, quand ça sort, ça sort. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on se prend? Allez, je vous en prends encore un. Un petit message. Avec mon oracle, hein. Un petit message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Un petit message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Alors, tu... Premier petit message, tu fais partie des esprits positifs. Même si tu as, même si vous avez des blessures, des problèmes, sachez aussi que par votre foi et par vos prières, en fait, vous êtes capable de tout surmonter. On vous dit juste de visualiser le pouvoir illimité de la source. Il y a des bénédictions qui arrivent. Si, on vous dit que si vous êtes sur votre voie spirituelle, une belle nouvelle arrive. Et on vous dit surtout une belle nouvelle, une bonne nouvelle, une belle nouvelle arrive. Remercier, c'est une bénédiction. Bah dis donc, c'est beau. Petit message sur la bénédiction. Non, elle est tombée. Hop, un petit message s'il vous plaît. Ah, petit message s'il vous plaît. Il y a une bénédiction qui arrive là pour vous. Tu es très beau, belle à mes yeux, crois en ta belle étoile et bonne étoile. Là, il y a une, votre... on vous dit de croire en votre belle étoile, bonne étoile, en votre bonne étoile. Si vous croyez en votre bonne étoile, vous allez avoir une énorme bénédiction si vous êtes sur votre cheminement, votre voie spirituelle. Il y a une bonne... On vous dit de ne pas vous inquiéter qu'il y a une belle et une bonne nouvelle qui arrive. Et on vous dit bien de remercier. Il y en a trop. De bien remercier. Et en tout cas, je vois que cette bénédiction qui va arriver, en fait, ça va vous...
Je vois des personnes en fait qui ont énormément travaillé sur elles-mêmes, au plus profond d'eux, hein, en fait, pour réparer tout ce qui était cassé, blessé. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail intérieur. Oui, intérieur. Voilà, vous avez vraiment fait un énorme travail. Bah, félicitations. Il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un dans les cieux hein, qui est derrière tout ça par rapport à cette bénédiction, donc remerciez vraiment. Et on vous dit de oui, certes, vous avez des blessures, certes, vous avez des problèmes, mais on vous dit bien que par votre foi et par vos prières, que vous êtes capable de tout surmonter et que faut vraiment visualiser le pouvoir illimité de la source parce que la source a vraiment un pouvoir illimité. Et on vous dit de surtout pas perdre votre esprit positif. Bon, après, ça arrive, hein, ça arrive des fois qu'on est un peu fatigué, hein. On n'est pas toujours tout le temps positif, mais c'est important d'être positif malgré voilà, des choses qui peuvent être parfois très dures. Petit message, s'il vous plaît. Par rapport à la bénédiction, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la bénédiction, s'il vous plaît? Ça va être une bénédiction qui va arriver dans une maison. Alors, j'entends par maison. Ça peut être une maison ou ça peut être un bureau. Un bureau maison. Bureau maison. Bureau maison lave-linge. Non, je rigole. Bureau maison. Bureau maison. Un maison bureau. Un bureau. Enfin, dans votre maison, vous avez votre bureau. Donc, ça peut être une bénédiction ici ou dans votre maison. Il y a une bénédiction qui va arriver. Ça peut être une bénédiction aussi par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un souhait de faire construire, de faire construire, Voilà, il va y avoir une bénédiction par rapport à tout ce qui a trait à la maison, en fait. Et cette bénédiction va vous rendre libre, hein. Peut-être que par rapport à cette bénédiction, vous allez même pouvoir voyager. Tout cas, il y a quelque chose qui arrive au. Ah! Je vois que dans cette bénédiction aussi, ça va vous apporter aussi. Vous allez, pour moi, avoir de nouvelles amitiés. Il y aura de nouvelles amitiés. Ça peut même mettre des amis en fait que vous allez rencontrer au sein durant un voyage. Durant un voyage, eh oui, eh oui. Il y a un retour, hein. Il y a un retour à l'amour. Hein. Par rapport à cette bénédiction, en fait, bah déjà par rapport à cette bénédiction que vous allez recevoir, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ça va être un retour, en fait, un retour à l'amour. C'est-à-dire que pour moi, cette personne en fait va se sentir soutenue, épaulée. Soutenue, épaulée, entendue par l'univers en fait. Et en fait, par rapport à ce retour, ça va vraiment, cette bénédiction, ça va vraiment. Je pense que ça peut être une personne comme peut-être un petit peu tout le monde. Enfin, après, ça dépend. Mais en fait, c'est peut-être une personne des fois qui avait des moments de baisse de foi, en fait. Ou des fois de se dire, bah, je suis pas entendue, je suis jamais entendue ou autre. Et en fait, je vois que bah, ça va changer, en fait. Il va y avoir un amour, peut-être un amour pour l'univers totalement différent, une conscientisation totalement différente. Ça me parle aussi. Ça va redonner énormément de confiance à cette personne, beaucoup à sentir. Elle va s'aimer, quoi. S'aimer et le vibrer et rayonner aussi. Et c'est un retour aussi en fanfare. Hein. Un retour en fanfare vers vous. Et par amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. En fait, c'est cette bénédiction qui va tout chambouler, en fait. Pour moi, c'est ouais, c'est ça. C'est un coup de main, c'est quelque chose qui va se passer. Et cette bénédiction va apporter beaucoup d'équilibre à cette personne, intérieur, extérieur.
Et on me dit dans tous les domaines de sa vie, de votre vie. Hein. Là, je vois. Attendez, je remonte parce que j'ai fait comme ça du coup. Je vois un blocage en fait. Un blocage par rapport au professionnel. Il y a un énorme blocage par rapport au professionnel. En fait, je vois. Je pense qu'il y a un contrat. Soit qui est jamais arrivé. Soit qui vous est passé sous le nez. Soit il y a un contrat qui s'est interrompu comme ça du jour au lendemain. Et je pense que c'était un très bon contrat en fait pour vous. Qui pouvait vous apporter énormément de choses. Ou alors tout simplement vous attendez aucun contrat. Et c'est pour ça que vous êtes dans un blocage. Parce que justement vous êtes en blocage. Parce que vous attendez justement un contrat. En tout cas je vois quelque chose qui arrive. Vraiment je vois quelque chose qui va arriver. Et... Pour l'instant, c'est pas actuellement, c'est pas encore là. Ça peut bloquer un projet, un certain projet, une certaine naissance de quelque chose, même dans l'amour, en fait. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Moi, je vous dis, ça va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la bénédiction? Ouais. Je m'en doutais. Quand je vous dis que ça va arriver, ça va arriver. Regardez. Ça peut être long, d'accord? Autant pour vous, autant pour cette personne, ça peut être long, d'accord? Ça peut être très long. Mais dans cette longueur, en fait, bah, je pense que c'est fini, en fait. Cette notion de longueur, c'est terminé, en fait. On va sauter tout au blocage. Il y a une notion de rapidité qui arrive ici. Et c'est pour vous emmener sur votre voie toute tracée. Donc vous allez... Pouf! Décoller là. Là, il y a un décollage. Hein. Là, il y a un décollage... Un décollage imminent. Hein. Accroché aux ceintures. Il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir un gros mouvement. C'est beau. Bon. Ça va s'accélérer d'un seul coup, vous n'allez rien comprendre. En tout cas, on vous dit bah, d'être joyeux, d'être en joie, d'être festif. Vous allez bientôt... pour moi, il y aura un dîner aussi. Un dîner romantique. Autour de projets. Par rapport autour de projets, en fait, et ça peut être lié à la mer ou ça peut être un week-end aussi, un week-end, un voyage à la mer. Et on peut me parler aussi. Attendez, je prends un autre message. Par rapport à cette personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. Ouais, ici ça peut être une femme-enfant en fait. Une femme-enfant, avec dotée d'un grand pouvoir de sagesse. Hein. C'est une femme-enfant avec qui vous allez vivre beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir un blocage par rapport à un certain déménagement, mais on vous dit de surtout pas vous en faire. Il y a de la rapidité et vous allez avoir l'abondance. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Moi, je dis ça. Je dis rien. Voilà. Vous me connaissez. Bon, ben voilà. Ben voilà. Tous les petits messages que je devais vous transmettre. Bon, ben, c'était un réel plaisir pour moi ben, de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Moi, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, des millions de bisous. Prenez bien, bien soin de vous. Et je vous dis à très, très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!